Alors, l'impact du bruit dans les écoles sur la santé des élèves est un impact important. Malheureusement, je ne crois pas qu'il soit très souvent mesuré en tant que tel. Alors, les risques liés au bruit à l'école sont des risques qui sont souvent associés en fait à la mauvaise qualité des locaux. Une réverbération trop élevée, par exemple, un isolement entre locaux, entre salles de classe trop faible. Et la prévention de ces risques passe par le traitement correspondant des bâtiments. La médecine scolaire a certainement un rôle dans ce domaine-là, mais probablement insuffisant par manque de moyens. À mon sens, il faudrait qu'elle suive l'audition des élèves. Un élève qui entend mal apprend forcément mal. Un élève qui est en apprentissage d'un métier bruyant a des risques auditifs qui doivent être suivis. Par ailleurs, même si ce n'est pas tout à fait le rôle de la médecine scolaire, elle pourrait être un relais pour vérifier que les bâtiments, justement, n'amplifient pas les problèmes.